Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que le frérot m'emmène aujourd'hui. Enfin, c'est moi qui suis venu à lui parce que c'est un peu compliqué là. J'étais parti voir Cubenz, j'ai fait le Mont Ventoux aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Et là, il me dit, frérot, viens sur les routes du Beaujolais, les routes les plus explosées de France, avec un S1000 RR, pack M, jantes carbone, full carbone, de quasiment 210 chevaux et ligne complète. Donc là, ça va être très marrant. Je crois que le frérot a beaucoup de choses à dire sur Ouais, la moto. ça c'est sûr. Donc on va faire le tour vite fait, je vous sors pas l'appareil photo parce que vraiment flemme. Donc vas-y, présente-nous un petit peu ton bestiau là. Et bah écoute, S1000 RR de 2023, pack M, on va dire avec le plus haut niveau d'options chez BMW, c'est facile, elle est toute option. Alors après, on en voit pas mal dire sur le bon coin, genre pas mal toute option, mais là elle est full, full, full. C'est-à-dire que là, il y a toutes les options du catalogue BM, sauf l'appel d'urgence. Donc on a le pack M, donc coloris motorsport, avec les jantes carbone. On n'est pas sur les terres de Julien Tenuti pour rien. Dessus, le pack dynamique. Donc, le pack dynamique, ça comprend le régulateur de vitesse avec les poignées chauffantes qu'on Ouais. peut voir. Avec aussi donc, le kit passager. Donc, pour avoir un passager, parce que si tu veux neuve, elle peut ne pas avoir l'asset passager et les repose-pieds. On a le pack race. Donc, le pack race avec donc, le pot qui a été changé, mais donc il y avait la cracour d'origine, et puis les modes de conduite en race, et puis il y a le pack carbone que moi j'ai rajouté personnellement. C'est pas le pack carbone de chez BM, c'est moi qui l'ai fait moi-même avec des pièces Imbarker carbone. Ok. Où là on a un peu tout, sabot moteur de la M1000 RR de 2021. Regardez le carbone, les amis, là, comme il est beau. Ensuite, bah, tout ce qui est pièces réservoir en carbone, garde-boue carbone avant-arrière, protège-chaîne carbone. On Roue a carbone. les roues carbone, on a le pack MBA qui comprend donc les leviers de frein et les repose-pieds en M bleu fraisé, Taillé masse, taillé dans là. la Oh masse. là là, c'est beau. La ligne complète, Acra Racing. Regardez la couleur de la ligne, quoi. Et voilà, après on a à peu près fait le tour. La bulle noire de chez BMW haute, et puis il manque le capot de selle qui devrait arriver. Et puis voilà, il manque deux stickers que je vais mettre au niveau du réservoir, mais sinon voilà, Ouais, impeccable. elle est finie, la moto, quoi. Ouais, voilà, clairement, j'ai gardé les rétroviseurs d'origine parce que je préfère. Ouais, mais ils sont pas vilains, je Ils trouve. sont pas vilains. Ouais, je trouve ça mieux que les rhizomas, faut se faire chier et tout, enlever tous les Ouais, puis clignotants pour et le tout. prix, honnêtement... Et j'ai oublié, film PPF sur l'entièreté de la moto. Tout a été filmé en PPF et tout ce qui n'a pas pu l'être, ça a été posage d'une céramique. Ouais, ça se voit là. T'as gagné le PPF et tout, je t'ai su. Mais c'est bien, comme ça au moins t'as une moto qui se raye pas, quoi, ou Ouais, très elle peu. est protégée et tout. Les gravillons, bah, au moins comme ça, il n'y a pas de souci. C'était surtout ça parce que bah, dans le Beaujolais et puis aux alentours de Lyon, bon, bah, des fois on a d'autres graviers. Même à Dijon aussi, il y en avait, mais un peu moins. C'est souvent l'été. Et j'avais pas trop envie de suivre un mec et qu'il me ruine la moto. Non, relou. Donc, surtout à ce prix-là. Donc, voilà, le seul pièce carbone BM, c'est le garde-boue avant. Il est siglé M là. Relou. Ok. Bah franchement, il me tarde de l'essayer. Par contre, le pneu arrière, il me fait peur parce qu'il est mort. Non, tu rigoles, il y a encore. Ouais, Allez, il y a encore de la marge. il y a encore 500 bornes, allez. De toute façon, c'est pas moi qui vais te le finir. Hein. Bah écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est que j'installe le micro du Pure Sound et qu'on aille rouler tranquillement parce que là, c'est que des spéciales de rallye. C'est le Beaujolais, donc les routes sont explosées. Et j'ai pas envie de satelliser sa moto bah, qui vient d'avoir, quoi. Ça ferait vraiment chier. 34 000 euros. Et bon, on se retrouve tout de suite au guidon de la moto. Ça va. Oh là là, déjà le son, première fois que j'entends un S1000 RR ou un S1000 R full tube. Oh, par contre, la selle, c'est un bout de bois. Oh là 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 là. Bon, petit rappel, 198 kg d'origine. Là, avec tout le carbone, il a gagné plus de 10 kg. 210 chevaux, pas de reprog. Donc là, ça va être la guerre. Le petit micro du Pure Sound, jantes carbone, c'est parti! Oh là là, les jantes carbone, ça y est, je le sens. La différence, je la sens direct. Je la sens déjà. Ah, par contre, c'est vrai que ce ne sont pas les meilleures routes pour essayer un S1000 RR à 33 000 euros. Pack M! Oh là là, comment ça chante. Donc là, la montée que je suis en train de faire, dites-vous que Julien Tunotti le fait en 56 secondes. Oh là là, le shifter. Donc là, il a fait ça en 56 secondes. C'est un malade mental. Oh là 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 là.
Ah, le freinage avec les jantes de carbone. Franchement, je vous jure, je freine à deux doigts. Je suis à 20% du frein. Ah, elle se met direct dedans. J'y vais doucement. Oh là 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 là, c'est un bout de bois. C'est un bout de bois. Et je me rappelais pas que le guidon était aussi large. Ah ouais, ça transpire la sportivité là. Le shifter up and down, il est toujours aussi exceptionnel. En plus, là, avec la lune complète, ça chante du feu de Dieu. Les bitumes. Est-ce que c'est un bitume? Non, c'est du tout terrain en SVDR Airpacken. C'est atroce. Pourquoi est-ce qu'il a acheté ça pour rouler ici? C'est n'importe quoi. Oh là, je suis en souffrance. Pour ceux qui disent que les jantes carbone c'est pas solide, venez rouler dans le Beaujolais et vous verrez si ça tient pas les jantes carbone. Il est en train de me tordre ma Daytona là. Il est en train de me tordre ma moto. Ah, ça s'amène tout seul. Avec les jantes carbone là, c'est on off. Ah, ça tabasse là. Après, j'y vais doucement parce que je viens d'enquiller 1200 km en 48 heures. Donc, on va pas faire le fou. J'ai juste envie de vous faire kiffer avec cette moto. En tout cas, merci frérot de me la prêter depuis le temps qu'on devait se la faire, cette petite sortie. Oh là là, la sortie de virage, c'est un boulet de canon. J'étais même pas très haut dans les tours, mais avec les jantes carbone. Oh là 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 là, vache! Sa mère! J'ai l'impression qu'il y a du gravier partout, et pour les routes, elles sont éclatées. Est-ce que je joue de la boîte énormément pour vous faire kiffer au pur sand? Bien sûr! En fait, ce qui me perturbe, c'est que je joue énormément du frein arrière dans ce genre de virage. Et en fait, le frein arrière, il est trop bas, j'arrive pas à le choper. Thank you.
poussée, elle est constante. La poussée ne s'arrête jamais, c'est exceptionnel. Ça, ça vient surtout des géants de carbone. D'angle exceptionnel, freinage et tout sur l'angle. Pouah. Je roule déjà bien là. Le frérot il est derrière avec ma déto. Il est en train de me pousser au cul alors que j'ai 60 chevaux de plus. Heureusement que j'ai le traction control, sinon je serais H24 dans les airs, surtout sur ce genre de route où la moindre bosse vous fait décoller vers la lune. C'était une semi-présentation, mais je suis tellement concentré. Allez, vas-y, on laisse passer devant.
Allez frérot, on arrête la vidéo ici. Oh, tu peux rester sur ta moto, t'inquiète. On va arrêter la vidéo là. C'est vraiment une vidéo pas prise de tête. Je connais pas du tout les routes, je suis fatigué. Le frérot, il m'a prêté sa moto. On s'est fait kiffer. Il m'a mis la misère avec ma Daytona. Bon, c'était Axis, les amis. N'oubliez pas de partager, commenter, de vous abonner, c'est très important. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!